Goupil fut l'un des leaders lycéens de mai 68. Il racontera son histoire dans « Mourir à 30 ans », un long métrage qui obtiendra le César de la meilleure première œuvre en 1983 et une nomination aux Oscars. Dans « La défaite dépasse toutes nos espérances » paru chez Plon, Romain Goupil se concentre sur cette jeunesse militante comme si son autobiographie était morte à 30 ans. Dans « Décalage », il nous parle de « Red », le film de Warren Beatty avec Warren Beatty, Diane Keaton et Jack Nicholson. Ce film reçut l'Oscar du meilleur réalisateur. Il ressort en vidéo chez Paramount Home Entertainment. L'histoire vraie du journaliste américain et militant communiste John Reed. Un témoignage unique sur les luttes de pouvoir en période révolutionnaire. Un genre de lutte que connaît bien Romain Goupil, même si en mai 68, on n'est jamais passé de la révolte à la révolution. Le film, c'est Reds, les Rouges, ce qui est tout à fait étonnant puisque c'est un film américain qui a été fait en 81 par Warren Beatty, qui va interpréter le rôle principal qui est John Reed, un écrivain, journaliste. Je m'appelle Jack Reed, je suis journaliste pour la revue Les Masses et j'aimerais qu'on me dise si le PS va organiser des manifestations contre la Constitution. Monsieur Reed, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans ce meeting. Qui va écrire la chronique de la Révolution russe, qui est un livre qui s'appelle « 10 jours qui ébranlèrent le monde ». Mais le film va raconter les amours contrariés, les amours difficiles de la rencontre entre John Reed et Louise Brigham, Diane Keaton. Vous avez des enfants, Madame Trollinger? Pas encore, Monsieur Reed. Appelez-moi Jack. Je suis réfractaire à toute discussion sur l'amour libre. Dites Jack. Oui, comment ça fait? Moi, je dirais Louise. George Waldorf, ça y est. George Waldorf. Qui était une militante féministe et qui, elle aussi, écrivait, était journaliste. En fait, elle est mariée à un dentiste et elle va faire une révolution, réellement une révolution. Elle va quitter Portland, qui est la ville natale de John Reed, où elle habite, où elle est mariée, pour partir avec lui, le rejoindre, cet écrivain, ce journaliste qu'elle admire, pour le rejoindre à Greenwich Village, à New York. Il faut être un peu rebelle pour être un artiste. Ça, c'est mon sentiment. Et tout le monde à Greenwich Village était un peu rebelle. Chérie, je ne m'absente que pour une journée. Mais tu viens de rentrer de Boston. Mais pourquoi tu viens pas avec moi à Baltimore? Ah, tiens donc, je t'accompagnerai à Baltimore. À quel titre? À quel titre? Jack, tu sais que ton taxi t'attend? Le couple s'installant, il est absent en permanence, il est sans arrêt en train de faire cette agitation, se propose en la personne de Jane O'Neill, interprétée par Jack Nicholson, une autre proposition qui serait l'amour fou. Jane, va-t'en. Pourquoi? Parce que je n'aime pas le paternalisme. Dommage pour toi que tu ne crois pas en l'indépendance, l'amour libre et l'estime mutuelle. Ne déballe pas ton socialisme, salonard de Greenwich Village. Si tu étais à moi, je ne te partagerais avec personne, ni avec rien. Il n'y aurait que toi et moi. Tu serais le centre de tout. Et tu saurais mieux ce que c'est que l'amour qu'en te retrouvant toute seule devant ton travail. La réponse qu'il a par rapport à l'aventure qu'elle a avec O'Neill, c'est de lui dire « Bon, bah ok, on va être ensemble. » Tu veux qu'on se marie? Elle prend donc du coup un appartement qui n'est plus ouvert à toutes les réunions, qui n'est plus ouvert aux autres, qui est leur chez eux, et elle, elle est ravie. Actuellement, il faut être en Russie. Ah, oh, mais j'ai du conseil, je m'en souviendrai. Louise, c'est le chaos, ça va craquer. C'est leur troisième gouvernement provisoire en 6 mois. Tu vois où ça mène? Ça mène immédiatement à une nouvelle révolution. Ils vont assister à la révolution russe ensemble. À
opposant Lénine, Trotsky, Zinoviev, Radek et tous les personnages qui vont être le personnage du livre de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde. Lénine est un étrange leader populaire, chef de par la vertu de son intellect, sans couleur, sans humour, intransigeant. Il semble ne rien avoir de la personnalité de Trotsky, ni de son don d'orateur, mais néanmoins c'est Lénine qui est l'architecte. Là, à Moscou, il va se perdre dans des lenteurs administratives, politiques, de discussions infinies par rapport aux prémices de ce qu'a va devenir l'échec de cette révolution, l'échec du rêve, la stalinisation des esprits. Et là, il y a effectivement une désillusion, la maladie et la mort. Camarade. Je veux qu'on retourne là-bas. Chez nous. Ouais. Reds, rien que le titre, les rouges. Bien sûr que je me sens tout à fait lié à ça par rapport à une période où on était môme. Avant-garde jeunesse, c'est l'organe de la jeunesse communiste révolutionnaire. C'était le groupe trotskiste auquel j'appartenais. Prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Été 67, c'est numéro 6. Et là, on voit, pour avant-garde vacances, c'est-à-dire juste avant l'été, se lit comme un roman policier, il faut le lire. Trois petits points, trois petites étoiles. Et il y a marqué « John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde ». Et là, au moment de l'occupation des lycées, avec une copine, les lycées sont occupés, on a nos duvets et on se retrouve dans les salles de classe avec Hélène, mais ça aurait pu être une autre, il y en avait plein à l'époque. Pour être un militant révolutionnaire accompli, il ne faut pas se faire repérer, comme sur cette photo-là, avec des cheveux longs et puis l'air d'un beatnik. Il faut ressembler à un militant, un révolutionnaire professionnel qui passe partout. Donc, abat les cheveux longs et je suis coiffé comme ça.